Et les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog dissent3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur The Witcher 3, la chasse sauvage sur PC. Donc nous sommes actuellement à Velen, non loin de Vaithilial. On venait de lancer un contrat pour le faux sorceleur, hein, le contrat Trace Mystérieuse, où il va nous falloir passer la forêt au peigne fin apparemment. Donc je le rappelle encore une fois, le jeu m'a été offert par Citoyen, donc un immense merci à lui. Cela fait toujours plaisir. Ça m'ouvre une fenêtre Steam qui ne veut plus s'enlever. Voilà, c'est bon. Voilà, parce que j'ai réduit le jeu avec Alt Tab et en fait Steam garde le tab enfoncé apparemment. Et du coup quand j'appuie sur Shift pour courir, il m'ouvre les fenêtres qu'on a quand on appuie sur Shift Tab. Donc c'est pas... J'ai pas dit Alt Tab juste avant. Bref, le truc c'était Shift Tab. Alors la meute de loups. Des loups. Le monstre a massacré toute la meute. C'est un sacré morceau. Cool. Un sacré morceau à qui l'on va faire la peau. Du moins en espérant que ce n'est pas lui qui va nous la faire la peau. Mais ok, il est pas ici, après elle s'arrête là les traces? Non. À moins qu'il soit monté à l'arbre. Il a perdu de la fourrure en se frottant au tronc. Je peux sentir son odeur. Ah bon? Ah, la voilà. Je préfère quand je la vois, moi, l'odeur. Comme ça, au moins, on peut l'éviter. Crotte de fielon, toute desséchée. Ça fait un moment qu'il rôde dans le coin. Je vais devoir trouver un autre chemin. Ok, d'accord. Vu la taille de sa fiente, je me dis que ça va être un petit peu compliqué de lui faire entendre raison à celui-là. Si le combat se fait en pleine nuit. Hop, en pleine nuit, en pleine... Ah! Une entrée. Ah oui, c'est une entrée, genre, écoute, y a pas de souci, j'arrive, quoi. Voilà, tiens! Bien dans le schtroumpf, là, hein, la descente. Du coup... On va jouer à... Et en plus, je suis préparé que la deuxième chute va être de même. Qu'est-ce que je disais? Il est mort ou il dort? Il est mort il y a peu. Qu'est-ce qui a bien pu le tuer? Des empreintes. Le combat a duré un moment. Une autre piste. Mais les empreintes sont trop petites pour un fielon. Une autre piste. Mais les empreintes sont trop petites pour un fielon. Ils ont tous les deux perdu beaucoup de sang. Du coup, ils sont repartis par où? Il y a quoi encore que je pourrais observer là? Des touffes de poils ensanglantées. La deuxième bête était d'une autre couleur. Un chart. Forcément. Il a sans doute empiété sur le territoire du vilain. Hein. Je vais devoir trouver un moyen de l'attirer ici. Vestige. Un hurleur. Velen est sans doute la région du monde où l'on retrouve la plus forte concentration de monstres. Corollaire inattendu de cette triste situation. Alors, corollaire inattendu, pardon, j'ai oublié le point. Corollaire inattendu de cette triste situation,
les monstres sont souvent amenés à s'entretuer au cours de luttes des territoriales. Ainsi, un Tchart particulièrement agressif surnommé Hurleur massacra au cours d'une rage meurtrière une meute entière de loups et un fielon, pourtant bien plus imposant que lui. Le Hurleur est un redoutable adversaire, chacun de ses coups aurait suffi à tuer un homme. Seule une lourde armure et l'utilisation du signe de Ken pourrait protéger efficacement son adversaire dans la mesure du possible. Il va falloir éviter ses charges et attaquer les flancs de la bête. Et donc Tchart, voilà à quoi ça ressemble en gros. Le Tchart est plus petit qu'un fielon, c'est vrai, mais il est assez grand pour tuer quiconque lui barre la route. Agnès Chardon, herboriste de la forêt noire. Le Tchart est apparenté au fielon et au Bukavac. Si son gabarit est moins imposant, il n'en demeure pas moins un adversaire dangereux, même pour un sorceleur expérimenté. Ce monstre des sombres forêts est, sans contexte, l'une des créatures les plus redoutables du monde connu. Parfait, donc alchimie. J'espère que j'ai les ingrédients. S'il vous plaît, dites-moi que j'ai les ingrédients. Ça, c'est que les décoctions. Appât. Crotte de fielon et œil de corbeau. Alors, objet de quête, vous possédez un nouvel objet de quête, placez-le, hein, bon ça on le savait déjà. Est-ce qu'il n'est pas déjà placé? Non, il ne s'est pas placé automatiquement. Donc mon appât, il est où là? Il est là. Hop là, et on va aller placer tout ça à l'extérieur. Je vais encore faire une chute. Ou peut-être pas. Ouais, ça c'est du rattrapage, ça c'était beau. Alors, voyons voir. Ok, ce point-là c'est fait. Voilà. Ça devrait attirer l'attention du Tchart. Ouais, une petite zone à bateau. Sympa là, c'est original de déposer des appâts comme ça, j'aime bien. Hop là, ici. Ça c'est fait. Il devrait sentir ça à des lieux à la ronde. Il n'est plus qu'à attendre. Il finira bien par se montrer. Oh, faut que je redescende dans la grotte du coup, punaise. Aïe aïe aïe. C'est bon, je me suis pas fait mal cette fois-ci. On va essayer de descendre là-dessus. Attention, il arrive. Bien le bonjour, gros bestiaux pas cool. Allez, viens. Tu sais quoi, je sais que tu es un vestige. Comme on dit par chez nous. Et viens voir tonton. Alors, vestige. Ah, j'ai rien amélioré à ce niveau-là. Hélène, de découper en rondelles. Waouh. Ça reste quand même être un petit peu compliqué, hein. On a dit que ça craignait quoi, ça, comme truc? Déjà? Attends, tu m'excuseras, faut que je regarde. Bestiaire, c'est tout en bas, il me semble.
La veste Ulti, mais j'ai pas ça. Et en plus, il récupère sa ville, Saligo. Comment ça fait qu'il récupère? Comment il fait mal? Le combat risque d'être long, puis en plus, comme je dis, il récupère sa vie. Ah ah, je sais pas ce que je lui ai fait, j'ai dû le brûler, j'en sais un. Ouais, ça va, il fait pas trop trop mal là tout de suite. Dégage, dégage, dégage. Aïe. Tiens. Ouais, 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 pas prévu, pas prévu, pas prévu. Voir mon grand. Yeah. Non, ça c'est pas les choux d'autres qui libellent les champignons de monsieur. Alors peau de chart, mutagène de chart, courroux azur, trophée de chart. Découpage de bestiaux. Ça serait bien qu'on puisse avoir une maison dans le jeu et qu'on puisse déposer nos trophées à l'intérieur. Les mettre au mur, ou je ne sais pas comment, un truc dans le genre quoi. Du coup, voyons voir, est-ce que ça apporte le trophée de machin. Il est où? Non. Ouais, c'est toujours le même bonus en fait, c'est pas forcément intéressant tout ça. Par contre, j'ai récupéré une épée, il me semble. Courroux azur, il me semble que c'était celle-là. Ouais. Bref, il faut que je retourne. Chercher ma récompense. En tout cas, la bestiole est décédée. Mission accomplie, mes amis. Et en plus, il fallait qu'il fasse moche pour le trajet retour. C'était bon, pas de chance. Et nous y voilà, et tous sous planqué à l'abri, sauf toi. Oui. Toi, faut que je te parle. Un chart rôdait dans la forêt. Une rivalité territoriale avec un fielon l'a rendu agressif. Un chart, un fielon. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent tous ces monstres? Vous croyez qu'il va en venir d'autres? Ça m'étonnerait.
Mais si ça se reproduit, vous pouvez compter sur moi. Merci, sorceleur. Tenez, prenez cette bourse. Tous les villageois ont participé. Merci. Soyez prudents. Mission accomplie, mission accomplie. Quelques points d'expérience supplémentaires. Par contre, tu montes pas très vite de niveau maintenant. 193. Alors, je me rappelle de ce coin après tout. Peut-être que je peux aller voir le marchand là, vite fait au bout. Peut-être qu'il a récupéré un petit peu de... J'avais pas vu le gosse et le chien. C'est bon, il travaille, parfait. C'est lui qui arrête pas de sortir la même réflexion là que j'aime pas. Toutes sortes d'armes. Voilà ça là. Voilà. Montrez-moi vos articles. Faudrait que je sache contre qui j'ai joué et contre qui je n'ai pas joué. Tiens, je te vends ça. Je te vends ça. Je te vends ça. Ça aussi. Là, t'as pas assez de sous. Bon, du coup, on va se contenter de ça pour le moment, hein. Adieu. Au revoir. Alors... Maintenant, on va faire quoi ? Quelle sera notre prochaine mission ? Peut-être que je parte vers Skellige, en fait, hein. On va pas rester des gens des années ici. On peut essayer de faire ça. On sait mettre un niveau 22, en même temps les ghouls sont niveau 20 là-bas. Et du coup ça nous permettra de nous déplacer dans la zone au sud et peut-être d'explorer un peu plus aussi. Ce qui ça ne serait pas une mauvaise chose je pense. Donc du coup on va se déplacer rapidement vers Miandre. Avant cela on va sauvegarder au cas où. Hein, parce qu'on sait jamais, imaginons par exemple que je meurs sur place et que ça me téléporte, enfin que ça me téléporte, que ça me ramène à une sauvegarde ultra lointaine, ça m'ennuierait beaucoup. Vous voyez, parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas exploré dans le coin là. Il y a des choses qu'on n'a pas faites ici aussi. Peut-être plus tard, mais bon. Avant de commencer à jouer les Schtroumpfs. Oula, mais il y en a combien? Attendez les gars, je me déplace un tout petit peu s'il vous plaît, 30 secondes. Je suis à vous le temps que j'utilise de l'huile nécrophage. Draconide, créature, vampire, hybride, vestige, pendu, créature élémentaire, nécrophage. Je suis à vous, très cher. Ah mais c'est qu'elles peuvent les casser, ces trucs là. Alors elle est où celle que je vais attaquer en premier? Ça, elles me font pas trop mal non plus. On se recule, on se tire là. Oh! Éloigne de la suivante là, dégage, quand je te demande de dégager, tu dois dégager, c'est la leçon. Ouah, je n'ai plus rien pour récupérer. Par contre, elle, je crois que je l'ai tapé assez pour qu'il y ait tout ce qui se passe. Ah, c'est bon, j'ai tout eu. Il y a quelqu'un, vous pouvez sortir, le danger est écarté. Et l'autre, elle nous fait coucou derrière. Seraient-ils tous morts? Non. Oh, un sorceleur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Des pillards de Nilfgaard. Nos objets de valeur qu'ils voulaient. Comme si qu'on était riches. Qui les a tués? Sûrement pas vous. C'est pas trop. Peut-être bien ces bêtes que vous avez massacrées.
serait bien la première fois que des ghouls viennent au secours d'un village en danger. Bientôt, elles répondront aux annonces à ma place. Ça s'est passé comme j'ai dit. Pourquoi vous cherchez la petite bête? Vous cachez quelque chose. Dites-moi ce que c'est. Y a rien ici. Même les escadrons noirs ont rien trouvé. Hors de mon chemin. On va marquer une petite pause. Voilà. Voilà, comme ceci. On va aussi se remettre au lendemain. Voilà, comme ça on y voit mieux. Et je voulais fouiller l'autre bestiole. Ok. Petite sauvegarde. À l'intérieur de la maison, mais des chiens morts. La victime n'avait pas la moindre chance. On l'a jeté au sol très violemment. Hémorragie interne. Donc peut-être que l'un d'entre eux serait un monstre. Des mâchoires assez puissantes pour broyer une armure. L'odeur de sang est encore forte. Je n'ai qu'à suivre la piste. Non mais d'accord, ok. C'est pas eu tout le bon cadavre. Ça va d'un cadavre à un autre. Y'a rien ici. Je vois des empreintes qui mènent à cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me répéterai pas. Dites-moi ce qui est arrivé au Nilfgaardien. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Écoutez, si vous ne me dites pas tout ce que vous savez, tout le monde va mourir. Vous comprenez? Vous êtes prêt à vivre avec ça? Il y a des tunnels sous le village. Des tunnels? Oui, des ruines elfes. On y trouve des babioles et des bijoux qu'on revend aux marchands de Novigrad. On n'aurait jamais imaginé que ça pouvait mal tourner. En creusant, on est tombé sur une grande salle. Il y avait une bête endormie à l'intérieur. On a provoqué un éboulement, mais le monstre a réussi à s'en sortir. À quoi ressemblait le monstre? Il faisait sombre là-dessous. J'ai pas bien vu. Et comment il a tué les Nilfgaardiens? Je peux pas vous dire. J'ai pris mes jambes à mon cou. Donnez-moi la clé de cette porte. Vous voulez entrer là-dedans? Non, c'est juste pour ma collection. Évidemment, je veux entrer. Donnez-moi la clé. Bon, dites-moi si je me trompe. Vous avez découvert l'antre du monstre, puis vous en avez bloqué l'entrée. Mais les Nilfgaardiens l'ont rouverte pour piller le tunnel. Le monstre a tué les escadrons noirs, puis il est retourné dans son antre, et pour finir, l'odeur des cadavres a attiré des ghouls dans le village. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je vais devoir descendre là-dessous. Si je ne remonte pas, fuyez. Barricader la porte ne servira à rien. Il y a forcément d'autres moyens de sortir de ces tunnels. Oh, quête intéressante. Des touffes de fourrure. Un Ekim. Il hibernait ici. Jusqu'à ce que les villageois le réveillent. Je dois pouvoir soulever ces planches. C'est bon, il y a les petites lampes.
bah tiens, bonjour monsieur. L'armure est percée, les artères déchirées. Il a été sucé. Là ça remonte, donc j'ignore où ça nous mène. Nulle part apparemment, à part sous le plancher, d'accord. Ah bah c'est si malin, tiens. J'avais pas vu qu'il y avait une marche. Oui, joli. Bien le bonjour, monsieur Lekim. Pourquoi il est pendu ? Ça, tu ne seras ni le premier, ni le dernier que j'explose. Alors tu m'excuseras par contre. Avant de venir te voir de plus près, je souhaiterais m'équiper. Et pour cela, il va me falloir... hybride, ogroïde, vestige... J'ai l'impression que c'est mélange à chaque fois. Créature, nécrophage, bête... Voilà, huile contre les vampires. Ensuite, petite direction dans le bestiaire. Draconide, vampire... Ah non, Sarasti, c'est un personnage particulier, Sindini. Piller une tombe elfe est un excellent moyen de faire fortune ou de trouver la mort. Les temples et les palais des Ainsaid regorgent en effet de trésors inestimables, mais abritent parfois en leur sein une abomination endormie. Tel était le cas à Méonde, où d'infortunés paysans réveillèrent par mégarde un Lekim particulièrement dangereux. Au premier coup d'œil, le sorceleur comprit que le monstre n'abandonnerait pas facilement, capable d'infliger de sévères hémorragies et de se focaliser et de se volatiliser. Le vampire était également doté de facultés de régénération. Toutefois, le sorceleur savait comment détourner ses avantages, user les signes de Queen et d'Irden tout en administrant des attaques puissantes et en évitant de se faire tuer, bien sûr. N'empêche, je remarquerai qu'il faut bien lire ce qui est marqué à quoi il est sensible. Ça te dérange pas. Ah mince. Oh, je crois qu'il m'a touché. Voilà. Allez, donne-moi tout ce que t'as, mon grand. Peau d'Ekim avec deux monstres. On va voir l'épée aussi qu'il me donne. Je suis pas sûr qu'elle vaille grand chose, mais bon. N'empêche, c'est bizarre à cause des noms. Quelquefois, on se dit que c'est des épées uniques, mais bon. Ouais, c'est bien, excusez-moi, 11 de dégâts par rapport à celle que j'ai déjà. Non, bon. Peut-être qu'il y a un coffre au-dessus. Pourquoi il y aurait une échelle ? Poussière d'améthyste. Oh, huile contre les vampires supérieurs, bien ça, très très bien. Par contre, qu'est-ce que font tous ces pendus ici? Ok, voilà son nid, d'accord. Je ressens que j'aurais pu utiliser le Sindini contre lui, hein, mais bon. Ça c'est là d'où je viens, je crois.
je l'avais déjà examiné. Hop là, bon bah ça c'est fait. Par les dieux, il est vivant. Bien sûr. Notre monstre, c'était un Ekim, très ancien. Il devait hiberner là-dessous depuis des siècles. Un Ekim ? Un vampire. Il ne vous embêtera plus. Vous lui avez coupé la tête ? Planté un pieu dans le cœur ? J'ai fait le nécessaire. Ne descendez plus dans ces tunnels. Les Ekim ne sont pas des solitaires. On vous a pas engagé, mais... vous méritez bien une... J'espère bien. Je ne travaille pas gratuitement. Adieu. Et voilà, tête à tête avec un vampire. Et c'est plutôt bien passé. Est-ce que je peux créer du coup l'huile qu'on... Non, c'est pas ça, tout ce que je voulais. Est-ce que je peux faire l'huile contre les vampires améliorée? Maudite, créature élémentaire, hybride, insectoïde. Un vampire supérieur, il me manque quoi? Il manque du vermillon. Ok. En tout cas, on y est arrivé. Mission accomplie. Bon, on n'est pas trop monté en niveau, on essaie d'aller sur Skellige peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me tente bien. Ah non, faut d'abord que je fasse mon rapport. Nilfgaardien. C'est où ça, aurait-on? Tant mieux, ça nous arrange. Il est où le panneau de méandrier là? Non, par là, voilà, je vais y arriver. Donc on va à Méandre. Aurait-on? Et je dirais qu'il faut plus y aller parce qu'il y a une énorme bestiole et que voilà. Comment je fais pour que mon poivre de Marie utilise sa tête? Je vais demander. Nouveau contrat. Contrat la bête d'Avrevier. Brave gens, un esprit des bois, une boîte ou un démon cruel dangereux cause toutes sortes d'ennuis dans près de notre village, Avrevier. La personne courageuse qui nous en débarrassera sera assurée notre gratitude la plus sincère et recevra une généreuse récompense. Si vous souhaitez en savoir plus, nous sommes à votre disposition. Demandez à voir les chemins Sobemir. Ok, non, je suis obligé de prendre le papier pour que ça fonctionne. Donc il y a des quêtes qui apparaissent au fur et à mesure, ça c'est cool. Et alors, ça a marché? Le lendemain, il échangeait tout à plus une vinasse. Ouais, je crois pas t'avoir vu toi jusqu'à présent. J'ai entendu parler de la brigade. Que venez-vous faire ici? J'ai vu votre annonce. Qui pourrait me renseigner sur le monstre? Moi. L'une de nos patrouilles a disparu quelque part sur la rive sud du lac de Windamere. Je veux tirer ça au clair. Pourquoi faire appel à un sorceleur? Il y a un petit village pas loin au sud, Méandre. Il est presque vide aujourd'hui. Ses habitants ont fui. Ils parlent d'un monstre tueur. Les Rédaniens ne s'aventurent pas dans cette région. Ce serait du suicide. Et les voleurs n'attaquent pas les troupes impériales. Ce sera encore plus suicidaire. La seule explication possible, c'est un monstre. Je reviens de Méandre. Un vampire terrorisait le village. Ah. Je comprends pourquoi ils ne sont pas revenus. Un Ekim est un adversaire mortel, même pour des soldats aguerris. Ils seront enterrés avec les honneurs. Tenez. Vous avez bien mérité votre récompense. Et voilà, ça c'est fait. Quête terminée, et du coup on est bien évolué. Ah mais du coup je voulais pas de récompense moi. Puisque j'en récupère une ici. Ouais. On peut pas jouer avec lui. Voyons ce que vous proposez. Est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient m'intéresser là-dedans? Comment ça coûte super cher tout ça?
C'est dommage, il me faut des armes. Ça aurait été cool tout ça. Du coup, tiens, je te vends ça. Et ça. Et ça t'a plus de quoi, donc peut-être qu'en réparant. Ça suffira pas à te redonner assez d'argent. Fallait, mais c'est, je crois pas que c'était ça qu'il me fallait exactement. Imprégner. En tout cas, elles sont jolies les pierres. Cire, ok. Adieu. Hop là, voilà, ça c'est fait. Et vous allez pas me voler nos... Hey, doucement. Pardon. Sans nos braves bienfaitrices, nous serions morts de faim depuis longtemps. Il aurait bien fallu que je fasse attention à cette chose. Bref, comme je vous dis, on va aller à Skellige. De toute façon, après, on devrait pouvoir se déplacer d'une zone à une autre sans que ça pose trop de soucis. Et on s'arrêtera une fois qu'on sera arrivé là-bas. La banque de Vivaldi, je crois qu'elle était là. C'est ça. En quoi puis-je vous aider ? J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville. Et ça m'a donné 113 couronnes. Ce n'est pas énorme. Mais bon. Et hop, un bateau pour Skellige. On naviguera entre les différentes zones, quoi qu'il arrive. Hein. Mais bon. Qui est le capitaine de ce bateau ? Vous l'avez devant vous. Ouais, une femme capitaine, vous rêvez pas. Et si ça vous choque, je m'en torche le cul. Bien. Je dois me rendre à Skellige. Alors là, comptez pas sur moi. Vous serez bien payé. Les mers de Skellige sont infestées de pirates. C'est trop risqué. Vous êtes déjà allé là-bas ? Écoutez, ces mers grouillent de pirates sans foi ni loi. Ils attaquent tous les bateaux et massacrent leurs occupants, surtout s'ils viennent de Nilfgaard. Ils m'ont abordé une fois, sans doute pour voir si j'avais des couilles. Ils ont été déçus. Mais ça m'a passé le goût de Skellige, croyez-moi. Ok, c'est bon, au revoir. Suivant. Voilà, arrête de parader. Ça va être tout juste pour le final de l'épisode en fait. T'es un nain ? Allez hop, suivant. Petit voilier, on peut pas y aller avec ça ? Alors où est le capitaine ? Ça doit être lui. C'est un marin. Là-haut. Je crois qu'il s'appelait capitaine Luigi. Capitaine de Sraffio. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je dois me rendre à Skellige. C'est important. Vous savez nager ? Parce qu'avec les pirates et les escadrons noirs, personne sera assez fou pour vous emmener là-bas. Allons. Quelqu'un doit bien faire le voyage jusqu'à Skellige de temps en temps, non ? Ouais, c'est possible. Ce bâtard de Wolverstone est capable de tout. C'est un menteur et un voleur qui vendrait père et mère pour un peu d'or, alors pourquoi pas ? Et je le trouve où, ce Wolverstone ?
Ce poivreau passe son temps à picoler à l'esturgeon doré. Demandez la boutange, c'est son surnom. Et voilà, mais de toute façon, il va falloir s'arrêter ici. En fait, je pensais qu'on aurait pile le temps de partir, mais non. Du coup, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Hein. Donc nous, on se retrouvera très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un très très grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstage.fr ou sur mon blog tissant3.fr. Passez une agréable fin de journée et à ciao tout le monde. Salut !